Eh bien salut les amis, c'est Kamendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ika Watch Weeble Wobble. Alors dans cet épisode plusieurs choses, déjà normalement, on va voir un légendaire. Mais avant de partir au légendaire, je voulais vous montrer quelque chose parce que si vous jouez à ce jeu, vous êtes sûrement rendu compte que la carte elle est pas très interactive. Genre la carte elle est là mais on peut pas faire grand chose sur la carte, on peut juste parler aux gens, voilà bonjour, mais c'est un peu tout. Mais il y a une chose qu'on peut faire sur la carte et merci à Lizunian de m'avoir dit en commentaire comment fallait faire, donc vous pouvez dire merci à Lizunian, c'est ça voilà. Donc si on clique ici sur l'hôtel, on peut mettre 100 yens dans l'hôtel. Alors j'ai regardé, je l'ai déjà fait aujourd'hui, d'accord. Donc on peut le faire qu'une seule fois par jour, et j'ai regardé sur internet, parce que Lizunian disait qu'on pouvait peut-être avoir cockpit de cette façon. Apparemment, sur internet, ils disent que non. Ça sert juste à avoir plus de chances de devenir ami avec les yokai, mais ça, je ne sais pas, donc je garantis pas de pouvoir le faire tous les jours, parce que vous savez, moi, ma mémoire, voilà, je vais oublier, mais on va essayer quand même pour voir ce qui se passe. Alors nous, on avait quand même deux yokai à récupérer avant le légendaire. Donc le premier d'entre eux, pour l'avoir, il faut envoyer encore deux... Oh ! Il a Cabotin ! Little César, il a Cabotin ! Pas mal ! Un bon healer, c'est peut-être celui que je vais avoir d'ailleurs, on va voir ça ensemble. Donc là, j'ai envoyé deux âmes de plus, et donc normalement c'est bon, je vais pouvoir valider la mission. Voyons voir. Et bien voilà, j'ai envoyé 500 esprits à mes amis, 500 énergie, donc j'ai Don Juan. I'm going, ok, d'accord. Donc voilà, il s'ajoute à notre médaillon. C'est cool, ça fait déjà un yokai de plus. Donc déjà rien que pour ça, c'est pas mal. Et voilà, plus qu'un seul yokai à débloquer. Donc on va aller voir ça. Ah, attendez, je veux juste voir ce qu'on gagne quand on a 550 spirits. D'accord, on gagne un ramen de luxe. Eh bien écoutez les amis, nous on va continuer. On va aller essayer de devenir amis avec Rheolite. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Rheolite, qui est ici. Voilà, ouhou. Est-ce que j'ai bien... est-ce que j'ai bien Pitou dans mon équipe? Oui, c'est bon. Je l'avais mis avant de commencer l'épisode. En plus, il a son âme ultime qui est niveau 3. Donc c'est pas mal. Normalement, on va avoir beaucoup de chance de devenir ami avec lui. Surtout que j'ai mis l'argent dans l'hôtel. Et en plus de ça, eh bien, on a... il y en a 3 en plus. En plus de ça, on va pouvoir lui donner sa bouffe favorite. Donc on va donner... Ok. On va donner... Faut au moins je devienne ami avec l'un d'entre eux, hein. Mais il est stylé ce petit yokai, je l'aime bien là, il a un tournesol ici qui est assez stylé, et sa tête c'est un soleil, c'est cool. Alors je sais pas avec lequel je vais devenir ami, mais au moins l'un d'entre eux quand même, vu ce que je viens de faire. Ce serait quand même étonnant que je devienne ami avec aucun d'entre eux, c'est possible hein, mais ce serait quand même assez étonnant. Donc nous il faut qu'on charge l'attaque de, enfin la ultime de Pitou en priorité. Enfin, faut surtout pas que je meure aussi, ça pourrait être intéressant. Alors, allez, le petit Emronian. Ouais, c'est bon, je pense que Pitou, ça a pu trop tarder. Mais attendez, là, je sais pas quel niveau c'était recommandé pour faire ce stage, mais ça a l'air assez chaud, en fait. Ce stage a l'air plutôt chaud. Ok, c'est bon, on peut utiliser la multime de Pitou. C'est utilisé sur... Ah, sur qu'un seul. Ah, je crois que c'est utilisé sur tous. Non, d'accord. Faut qu'on passe en Fever, là. C'est assez urgent. Voilà, c'est bon. On est en urgent. On est en fever au bon moment parce que là, j'avais plus beaucoup de vie. Donc, voyons voir si on va devenir ami avec ce yokai. J'ai un petit doute. Hein. Il y a quelque chose en moi qui me dit que ce sera pas celui de droite, je pense. Hein. Ok, super. Oui, c'est bon. Ouf. On peut utiliser l'ami team de Safinian. C'est bon, maintenant j'ai retenu. C'est Safinian, pas Emeronian. Désolé tout le monde. Ok, donc il y en a un mort. Ah, par contre, là, ce serait bien que Pitou relance son âme ultime. Mais je suis pas sûr. Ok, bien. En fait, j'aurais dû changer de cible au moment où j'ai envoyé l'âme ultime de Pitou. C'était un peu nul ce que j'ai fait. Parce que je suis pas devenu ami avec l'autre, hein, vous avez bien vu. Je vais peut-être mourir, mais ça, je m'en moque. C'est pas grave, je continuerai. Hein, si je meurs, c'est absolument pas grave. Je préfère mourir. Ah bah c'est bon, je suis devenu ami avec l'un d'eux. Bon bah alors c'est super. Est-ce que je vais éviter de mourir? Ça s'est passé. Ah bah si, c'est bon. Ok, super. Donc on est ami avec Rheolite. Mais lui, c'est même pas celui à qui j'ai donné la nourriture favorite là. Mais bon, tant pis, hein, on s'en moque. Du moment qu'on est ami avec l'un d'entre eux, c'est tout ce qui compte. Et on a une pièce verte du Migokai, c'est génial, on va pouvoir aller la jouer. Alors, ok. Donc un rancé, on s'en moque un peu en fait de lui. Mais, voilà. On ouvre une nouvelle page du médaillum.
Donc on va aller voir ça tout de suite. Juste avant, on va jouer au Big Honkai. Juste histoire de faire durer un peu le suspense, même si en fait il n'y a pas de suspense, vu que il est en miniature de l'épisode. Mais c'est du vrai suspense pour moi. Mais vous, je vais vous rajouter un peu de suspense avec le Big Honkai, voilà. Un suspense au Big Honkai, donc allez, c'est une pièce verte. Je crois que j'en ai jamais joué. C'est parti. Ah, super. Oh, bah si, je l'avais déjà. Super. Non mais ma malchance du Big Honkai continue là, d'épisode en épisode elle continue. Donc bah on va partir, bah non c'est pas ici, c'est le médalium. Voilà, médalium. Donc, on a combien de yokai, je sais pas. Après ceux-là ils vont être durs à avoir. Vous voyez eux, ok, donc lui c'est une évolution. Je l'ai en plus gnomé, donc c'est bon. Oh, alors là, il va falloir Dynamo. Dynamo, c'est impossible. J'ai jamais réussi à l'avoir dans Kawash 1. Alors là, oh, qui c'est lui? Ah, c'est l'évolution du papillon, là. Mais bon, comme c'est des trucs du Big Honkai, je les aurai jamais. Allez, les amis, vous êtes prêts? Check. Check. Voilà. Ok, donc Something Legendary, on sait. Waouh, trop bien. C'est Cabotin. Mais c'est cool. Ok, je disais encore une fois à quel point il était handsome, hein, on le sait. Bah alors, c'est bien, parce que lui, il me semble, c'est un healer ou il fait devenir ami? Parce qu'il est et healer et populaire dans Yo-Kai Watch 1, donc là, voyons voir ce qu'il est. Parce que Tataora, non, c'est pas ça. Tataora, elle est rang combien? Elle doit être en A. Si elle est rang A, je vais la changer. Hein. Ouais, elle est rang A, donc je vais la changer et je vais mettre mon nouveau Yo-Kai, Cabotin, qui est quelque part. Attendez, je retire les new, comme ça, je le saurai. Où est-ce qu'il est là? Ah, il est là. Donc, mettons Cabotin. Oh, en plus, on gagne pas mal de stats, c'est bien. Je voudrais l'examiner. Ah non! Il redonne pas de PV. Charms the enemy. Bah non, il ne redonne pas de PV, c'est pas un healer. Bah alors non. On va pas mettre Cabotin dans notre équipe. On peut le mettre ici, à la place de boss. Si, 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 on va le mettre, en fait. On va le mettre, et en plus de ça, on va mettre, bah, Tataora. Voilà. Elle est où, Tataora? Voilà, ici. Ok. Bientôt, de toute façon, j'aurai un nouveau healer. Il paraît que je vais avoir un super healer dans quelques temps. Je sais même plus lequel c'est, mais vous m'en aviez parlé. Ah oui, si, si, je sais qui c'est. Je sais qui c'est, mais vous verrez prochainement. Ça devrait plus tarder arriver. Qu'est-ce qu'on on a réussi? Ok, on va gagner plein d'argent, donc on va même pouvoir jouer au Big Honkai une fois. Ouais, allez, c'est bon, on a 6968. On joue au Big Honkai. C'est parti. On a toujours deux fois plus de chances d'avoir des yokai de rang S. Et en plus de ça, on peut avoir le yokai rare, là. Kirin, c'était ça? Kilin, je sais plus. Allez! Oh, bah c'est pas un yokai de rang S, mais un rang A peut-être qu'on a déjà. Ah bah ok, d'accord, super. Qu'on avait déjà. Bon, allez, je vais rejouer Big Honkai. Je me sens pas en veine, mais bon, je rejoue Big Honkai, c'est pas grave. C'est parti. Allez. Dernier coup de Big Honkai parce qu'après j'ai plus d'argent. Non, mais pourquoi pas de rang S? Vous êtes vraiment pas gentil. Hein. Oh, Jibania. Jibania n'a rang A. Waouh! Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, je serai ton ami. Merci, Jibanian. Donc c'est Jibanian rang A. Waouh, cool. Bon, je préférais avoir un Jibanian de rang S, mais c'est pas mal. Voyons voir, on va pas le mettre dans notre équipe. Non, non, parce que là, notre équipe, elle est très bien. On a des pouvoirs qui sont super bien, donc non, non, non. Mais en tout cas, pas mal, en fait. Là, j'ai eu un bon truc. J'aurais pu avoir mieux, mais c'était quand même pas mal. Alors, voyons voir. Là, par contre, mes yokai, ils sont d'un rang vraiment, vraiment bas. Oh, bah, ah, bah lui, j'ai besoin de devenir son ami pour le médalium. Ah, c'est, il aime les nouilles de soba, d'accord. Enfin, pas pour le médalium, mais pour... bah si, 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 pour le yokai légendaire du médalium. Bon, je pense pas que je deviendrai ami avec lui, mais... sait-on jamais. Papa Windbang, d'accord. Oh, mince, au niveau des couleurs, ça va pas du tout, du tout, là. Ça ne va pas du tout. Donc, essayons... J'ai envie juste de lancer la multime de... bah, de Cabotin. On voit à quoi il ressemble. Bah, ah non, c'était une Tataora. Bah oui, voilà, je vais confondre des Tataora et des Cabotins. Ça, c'est certain. Vous allez voir, c'est certain. C'est pas ça que je voulais, en fait. On s'en moque d'elle. Voilà, c'est bon. Ok. Emronia, non. Pour le coup, on charge pas son attaque. C'est dommage. Ah mince, j'étais tout près de charger son attaque. Mais non. On va regagner quelques vies. Ah, là, il y a plein de Cabotins. Allez, c'est parti. Ah, multime de Cabotins. Donc, c'est ça, en fait.
Ouais, il fait avoir plus de chances de devenir ami. Ok, c'est comme Pitou. Donc il remplace bien Pitou et comme il est dans S, parfait. C'est un très bon yokai. Pas finish? Waouh! Il a beaucoup de vie, ce yokai. En même temps, il est tout seul en combat, là. Et j'ai vraiment pas du tout de nourriture qu'il aime. Non, non, il aime que les nouilles de soba. Genre que ça. C'est pas tous les trucs de la même famille, c'est que ça, vraiment. Hein. Il est capricieux, ce yokai. Et... Ok, super. Et bien voilà. Ah non, il devient pas notre ami, c'est dommage. Bon, bah tant pis, peut-être une autre fois. Sinon, je le referai ce combat, je pense, histoire de le faire rejoindre mon médalium. En plus, on a eu qu'une seule étoile, hein, c'est pas grand-chose. Faudra que j'achète des nouilles de soba, en fait. Les nouilles de soba me permettront de devenir ami avec lui. Mais il est bizarre, ce yokai, hein. Oh, ah, je suis déjà ami avec elle, je crois. Enfin, je dis elle ou lui. Dans le dessin animé, je dirais que c'est plus un lui. J'en sais rien, en fait. Alors, c'est reparti. Ok, bon, on va réutiliser toujours son âme ultime à lui, ça se trouve. On est pas... Comme je sais jamais les yokai... Ah, mais si, on peut savoir les yokai avec lesquels on est déjà ami, non? C'est marqué quelque part, vous m'aviez dit. Ah, médalium done. Ok, c'est marqué en haut à droite, médalium done. Ce qui veut dire qu'il est déjà dans mon médalium. Donc écoutez, bah, c'est pas grave, hein, si on devient ami avec lui, tant mieux. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Allez, Tata Aura. En plus, ils brillent. Enfin, oui, ils sont tous les deux brillants, là, Shogunian et Kabutin, c'est stylé. C'est trop bien. Je suis vraiment bien content de l'avoir dans mon équipe, Kabutin. Quand, je sais pas si vous avez vu la tête que j'ai fait au moment où je l'ai débloqué, mais je me suis dit, oh non, mais je m'en moque de Kabutin, je l'aime pas vraiment. Et en fait, eh bien si, c'est génial que j'ai Kabutin. Allez, ah oui, c'est bon, je croyais que la fever était terminée, mais non. On va boire, hein, j'utilise ça juste comme ça par défaut. Ah bah, là, il l'a fait sur tout le monde. Ah, lui, il l'a fait sur tout le monde, c'est Pitou qui le fait sur une personne, mais lui, il le fait sur tout le monde, j'ai l'impression. Ou alors non, c'est peut-être parce que j'avais sélectionné un, en fait. Ça doit être ça. C'est parce que je l'avais sélectionné que ça fait que sur lui. En tout cas, c'est intelligent. C'est moi qui ai été un peu débile, mais c'est très intelligent. Enfin, en fait, c'est parce que dans Yokai Watch 1, ça marchait pas comme ça. Donc comme dans Yokai Watch 1, ça marchait pas comme ça, ça faisait sur tous les ennemis. Et bah, j'avais pas pu imaginer que ça puisse changer dans cet épisode. Mais en fait, c'est bien mieux. Comme ça, ça fait que, voilà... généralement, tu ne deviens pas par erreur ami avec un yokai que tu voulais pas. Ce qui arrive quand même très très souvent dans Yokai Watch 1. Vous l'avez bien vu, hein, durant les lives, quand on essayait de capturer, enfin de devenir ami avec les yokai ultra rares, le nombre de fois qu'on devenait ami avec des yokai qu'on voulait pas, ça c'est vraiment la malédiction, quoi. Je fais des bons scores maintenant. Oh bah ok, quand on est revenu ami avec. Par contre, ça devient de plus en plus tendu, les combats. Là, c'est vraiment pas facile. Je pense que je vais donner une X-Porb à Kabutin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, allez, on va donner une X-Porb à Kabutin. Bon, enfin, je l'ai en plus en 4 exemplaires, lui, hein, alors que je croyais pas l'avoir. Enfin, je n'étais pas sûr, mais je supposais. Donc, alors, item, allons voir ce qu'on a. Non, c'est bon, on a deux larges X-Porb, donc ça, c'est très bien. Pas par level, on va mettre par rang. Comme ça, on devrait le voir en haut. Bah oui, il est là. Super! Voilà, il va gagner pas mal de niveaux. Je sais pas combien, mais ouais, il va arriver niveau 6-7, non? Peut-être même plus. Oh! Ah, niveau 7, parfait, parfait. Bah ça, c'est génial. Donc, on va juste revenir à la carte et continuer. Les combats qui étaient chauds, maintenant, ils vont devenir plus faciles. Oh, hop, oh, je suis déjà mis avec... Ah, c'est laquelle? C'est pas Flamante... Enfin, c'est pas Flamante, c'est... c'est l'autre, la Volatrice, c'est ça? Je crois. Je crois. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai démarré la... Enfin, parce que faut qu'on en parle, mais je pense que de toute façon, vous êtes tous au courant. Si vous regardez cet épisode et que vous aimez Yokai Watch, vous devez bien le savoir. J'ai commencé la série sur Yokai Watch 2. Donc j'ai sorti le premier épisode, là, samedi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du jeu, etc. Surtout que là, bah, en fait, on va connaître le nom de plein de nouveaux yokai, parce qu'il y a plein de yokai comme ça dont on connaissait pas le nom. Maintenant on va enfin connaître leur nom, ça c'est cool. Ah c'est bon, ok, elle est morte, c'est tout ce que je voulais. Allez super, allez, âme ultime. Eux, je suis déjà ami avec eux. D'ailleurs ils peuvent évoluer ces yokai. Enfin, ouais, ils peuvent évoluer. Apparemment on a un yokai très fort, vous m'avez dit dans les commentaires. Mais pour le moment je vais pas...
ça m'intéresse pas de le faire évoluer, surtout que ça débloque aucun légendaire, donc bon, c'est pas trop c'est pas une priorité, mais peut-être qu'un jour je le ferai, histoire de compléter mon médaillium. Il me faut de nouveaux yokai en plus, comme ça je vais débloquer un... il y a un yokai qui se débloque quand on réussit à avoir 100 yokai dans le médaillium. Donc il faut que je devienne ami avec de nouveaux yokai là, mais ça n'arrive pas. ça va bien finir par arriver. Pourquoi j'ai toujours qu'une seule étoile? Ah ouais, parce qu'elles deviennent de plus en plus difficiles à avoir, les étoiles, maintenant. Bientôt, plein de gens vont augmenter de niveau, c'est vraiment cool. Alors... Ok, bon bah, le hibou, que je dois déjà avoir plein de fois. même 3 hiboux, super. J'aurais bien voulu Noko, d'ailleurs Noko, je suis pas ami avec lui, j'y pense là. Noko, à chaque fois qu'il tombe en combat, je suis content de qu'il tombe en combat, tout simplement parce que il va me faire gagner plein d'XP. Mais en fait, je suis toujours pas ami avec lui. La prochaine fois que je deviens ami avec lui, il faut... la prochaine fois que je le vois en combat, faut que j'essaye de devenir ami avec lui. Parce que c'est un yokai qu'on a vu en plus pas mal de fois. Hein. Qu'est-ce qu'il aime, Noko? Je n'en sais rien du tout. Je sais pas du tout quelle est sa nourriture préférée. Parce que je dois pas l'avoir, je pense. Hein. Ok. Ouais, faut que je tue. Voilà, fallait que je tue celui du milieu avant de passer en Fever. Très bien. Bon, alors, on va utiliser son âme ultime. Ah bah non, d'abord, on va... Super. Les Emronianes. Je sais pas si ça va suffire, là, les Emronianes, pour charger l'âme ultime. Ah si, parfait. Parfait, nickel. Allez. Bon bah on va utiliser son âme ultime, hein, bon, pendant qu'on y est. Ah j'aurais dû essayer de viser, pour voir si c'était bien ça ma théorie, ou si c'était juste que... Enfin, l'autre ne faisait que sur un perso. La prochaine fois, j'essaierai d'y penser. Vous savez, c'est le genre de truc, à chaque fois je dis ouais, je le ferai la prochaine fois et tout, puis en fait j'oublie tout le temps. Tout le temps. Plein de Tataura, ça c'est cool. Yes, allez, de la vie. Voilà, là je le sens quand même que mon cabotin il a pas mal augmenté de niveau, parce que là les combats deviennent d'un coup plus faciles. Beaucoup plus faciles. Mais là je trouve que mon équipe elle est parfaite. Faut juste remplacer Tataura. Faudrait que j'ai un healer de rang S. Et si j'ai un healer de rang S, c'est bon. Là j'ai une équipe parfaite, je pense. Si, il y a Safinyan. À un moment... Ah, j'ai pas assez d'argent. Ah bah on verra quand j'aurai plus d'argent, d'accord. Oui, il faut que je remplace Safinyan à un moment. J'aurais pas dû jouer Bingo Kai comme ça. Je vais voir si j'ai pas de l'argent ici. J'avais pas du tout joué Bingo Kai, mais ouais, bref. Donc oui, c'est Clem Hall. Non, il y a juste 50. D'accord, ce n'est pas assez pour augmenter le niveau de Safinyan. Ah, pourquoi j'ai joué tous mes Y-Coins? Je pense que j'en rachèterai prochainement. Peut-être le prochain épisode ou l'épisode suivant. Je suis déjà ami avec Pégase, non? Il me semble que oui. Pourquoi je l'ai vidé d'ailleurs? Instinctivement, je l'ai visé dès le début pour je sais pas, parce que comme je vous ai dit, comme je l'aime pas trop, voilà. J'ai voulu me débarrasser de lui en premier. Bien. Alors, ils sont là. Ouais, les cabotins, j'ai vraiment du mal à les voir avec Tataura. Hein. C'est pour ça qu'une raison de plus pour que je la change à un moment, Tataura. Ok, parfait. Allez, Tataura. Il faut les lier. Ah, mince. Elles sont trop loin. C'est bon, je peux regagner de la vie. Ouf, parce que là, ça commençait à devenir un peu dangereux. Super, à multime, donc voyons voir. Ah bah non, il cible tous les yokai, donc c'est qu'en fait Pitou ne cible qu'un seul yokai quand il fait son âme ultime. Ou alors j'ai rêvé, ce qui est aussi possible, ça m'arrive. C'était pas une fever super bonne, j'ai pas fait vraiment beaucoup de dégâts, c'est dommage. En plus je vais mourir je pense là. Oh, mince, je peux pas utiliser son âme ultime, très bientôt. Ok, alors là il faut le battre, bat-le. Et là je vais pouvoir utiliser l'âme ultime. Ouais, c'est bon. Ouf. Ça arrive au bon moment. Mais là, c'est vraiment chaud, ce combat. C'est vraiment, vraiment chaud. Faut que je passe en fever le plus vite possible. C'est impératif, parce que là, sinon... Encore deux coups, je pense, et il me tue. Hein. Ouais, mais moi, plus beaucoup de coups non plus avant que je le tue. Mince, prochain coup, il me tue. Voilà, c'est bon, ouf. Je suis passé en fever exactement au moment où il fallait. Oh là là là, la chance que j'ai eue.
Je sais pas pourquoi j'ai galéré pour ce combat. Par contre, c'était pas si difficile que ça, je sais pas, j'ai mal géré. Je crois que je me concentrais trop sur essayer de refaire la multime de Cabotin pour voir s'il arrivait à viser un seul yokai ou pas. Et donc ça m'empêchait de jouer tout bêtement. Alors, est-ce que je garderais plutôt le level cap pour Shogunyan? Je pense que je vais garder pour Shogunyan. Parce que Shogunyan, lui, je vais le garder dans mon équipe, c'est sûr, alors que Safinyan, je le remplacerai à un moment. Je sais pas quand, mais je le remplacerai. Comme je vous ai dit. Je sais pas trop par qui je le remplacerai, mais ce serait bien d'avoir genre Komasan de rang S. Ça, si je pouvais voir Komasan de rang S, ou alors Jibanyan de rang S, là, je le mets direct. Ou alors Safinyan de rang S, ça existe, ça? Je crois pas. Je m'y perds avec les Tatawa. Allez. Super, bien. Oh, j'aurais dû en lier plus. Allez, un ultime, pourquoi pas. Tant qu'on y est. Quand est-ce que je vais pouvoir utiliser... Quand est-ce que je vais passer en fever, là? Bah, quand on en lit que 3, ça fait quasiment rien dans la jauge de fever. C'est bon. Ça y est, bon, enfin. Oh mince, pourquoi je l'ai explosé? J'aurais pas dû. Oulala, mais je joue super mal, là. Je jouais super mal. Genre, vraiment. Oh, j'ai fait que 496 points. C'est rien du tout. Allez. Je vais pouvoir regagner des vies. Ah non, pas encore. Voilà, c'est bon, parfait. Est-ce que vous pourrez tuer l'éléphant, là, maintenant, tout de suite? C'est bon, on l'a tué avant qu'il attaque. Parfait. J'avais peur. Et voilà, c'est bon. Bon, on va pouvoir refaire une fever bientôt, je pense. Il nous faut... Voilà, ouf. Oh, en fait, j'ai du mal, là. J'ai du mal. Je sais pas ce qui se passe, mais d'un coup, j'ai l'impression que le niveau des ennemis a... Genre, on est passé vraiment à un truc très supérieur. Bon, voilà, de toute façon, je vais gagner, c'est sûr. Oh, 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 oui. J'ai pu utiliser son âme ultime juste avant la fin. Je crois que je l'ai utilisé deux fois, en plus, là. J'ai les XP boostés deux fois, cool. Alors... C'était quoi le deuxième? Get a combo of... Ouais, 11. Bon bah, non. Ouais, je vais garder pour... je vais garder pour Shogunyan. C'est obligatoire. Faudra-t-il à un moment que je remplace Insomnel, mais faudra que je la remplace par un yokai qui a le même pouvoir qu'elle, mais qui est dans S. Et ça, je ne sais pas si ça existe. Bah, dites-le moi dans les commentaires si ça existe. Un yokai qui permet justement de booster l'attaque... Enfin non, de booster les XP gagnés, et qui est dans S. Mais bon, après, je dis, faut que je remplace. Première étape serait déjà de les avoir, ces yokai. Parce que, avec la chance que j'ai, je les ai pas, ces yokai. Ah, j'ai failli faire un énorme, mais j'ai loupé. Je l'ai explosé dernier moment. C'est bien dommage. Ok, allez, les Tataora. Pourquoi vous voulez pas vous rapprocher? Elles sont super loin. Ouais, elles veulent pas se rapprocher, tant pis. Ok, super, âme ultime. Allez, s'il vous plaît, la fever, bientôt là. Maintenant même. Ok, parfait, mince. J'ai loupé. Ah, je vais pas pouvoir faire d'âme ultime là. Enfin, je veux dire de Shogunyan et de l'autre. Si, si, c'est bon. Shogunyan et Safinyan, l'autre. Pour plus me tromper, je l'appelle l'autre. ça marche bien, non? Comme ça, je dis plus Emronyan. Ok, parfait. Ah, presque la multime, c'est très bien. Ça aussi, je pense, bientôt. Wow, parfait. On peut pas réutiliser son âme ultime. On est tout prêt, mais on ne peut pas. Alors là, par contre, si j'ai pas une Tataora prochainement, c'est fini. C'est bon. Et si j'avais pas son âme ultime, c'était fini. C'est bon. Ça va le finir, là, non? Ah non, parce que j'ai pas eu le gros. Je vais juste envoyer le pouvoir d'insomnel avant. Voilà, super. Puis après, on va le finir avec un Shogunyan. Super. Parfait. Au revoir, petit papiltation, l'un ou l'autre, hein, qui que tu sois. Super. Bah là, je peux déjà augmenter le cap, mais je vais pas le faire. Hein. Je vais vraiment garder pour Shogunyan. Quoique, j'aurai le temps d'avoir de l'argent d'ici là.
Allez, on va augmenter son cap. J'aurai le temps d'avoir de l'argent d'ici à ce que Shogunyan y gagne 4000 XP. 4000 XP, c'est quand même 10 niveaux, hein. Donc largement, j'aurai le temps. Surtout que j'ai gâché quand même un peu de quelques stages, enfin quelques XP en étant bouclé quoi. Mais finalement, je regrette pas d'avoir joué au Bingo Kai parce que mon dernier Bingo Kai à 3000 yens, il m'a quand même donné 10 bananes rang S, enfin rang A. Donc non, c'est très bien, c'est très bien. Je vais pas m'en plaindre. Parce que c'est dommage que tous les autres fois où j'ai joué au Bingo Kai, j'ai rien eu de bien. Mais c'est pas grave. Ok. Super. Parfait. Oh, c'est bien là, ils sont bien chargés. Ça va être cool pour la fever. Wow. J'en ai lié un énorme. Que je grossis encore, super. J'aurais pas dû éclater en fait. J'aurais dû garder pour... Voilà, pour la multime, tant pis. Allez, comme ça on va pouvoir utiliser la multime de Safinyan normalement. Ah non, il a même pas éclaté. Bon bah alors maintenant... Voilà, super. Super. Je pense qu'on va en avoir au moins un. Hein. Là, celui de droite, il va mourir. Mais par contre, est-ce qu'ils veulent bien devenir mon ami? Parce que je crois que ce sont pas mes amis. Hein. Je crois que je suis ami avec aucun des éléphants. Je ne sais plus. Allez, encore un somnel, super. Ouais. Et voilà, finish. Allez, deviens ami avec lui, Pachicool ou l'autre. Persévéphant et Pachicool. Ah, super, on est ami avec lui. Je sais pas. Est-ce que j'étais déjà ami avec lui? J'aurais pu vérifier, mais non, je préfère attendre. On va voir. Super. Alors, Toufan, ok, il s'appelle comme ça. Ah bah oui. Je suis ami donc avec aucun des éléphants, effectivement. Alors, ça va être la fin de cet épisode. Je vais juste regarder avant combien... Bah déjà, on a gagné quelques missions, ça c'est cool. Ok, on a une nouvelle icône, bien. Par contre, ce que je veux savoir, c'est combien on a de yokai dans le médaillon. On a 87, ok, super. Donc il en reste plus que 13, c'est quand même beaucoup 13. Hein. Ça n'arrivera pas... ça va pas arriver comme ça en claquant des doigts. Qui m'a envoyé un cadeau? Oh, merci à toi, Boss Siegfried, si tu nous regardes, merci à toi. Bon, et bien, en tout cas, les amis, on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, puis de vous abonner pour être au courant de la suite. Et on se retrouve normalement très bientôt pour un nouvel épisode de Yokai Watch Weeble Weeble ou de Yokai Watch 2. Ça sera samedi. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!